every day. She fuck with me now, I told her too late. My hook in the water, she liking my bait. Ain't saving a hoe, I don't wear a cape. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the phone and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. We dodging the feds and catching no case. I stay in the trap, get racks every day. She fuck with me now, I told her too late. My hook in the water, she liking my bait. Ain't saving a hoe, I don't wear a cape. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the phone and drive like a race. We sipping the Henny, I don't need a chase. 1, 2. J'envoie, il sort, il tire, il fait un pas. Donc moi j'anticipe son mouvement, ok? Alors il fait bien un pas, hop, et je nous arrive. Alors les objectifs pour 2022, bah oui, il y a toujours des objectifs. Déjà Benoît, le retour de Benoît à l'UFC, normalement qui devrait être, je pense, en avril. Il y a Jory qui vient de signer un contrat à l'Octagone, donc il va combattre fin février. Il y a Mathieu qui va combattre au FFA Challenge aussi. On a Jacuno aussi qui va combattre FFA Challenge. Pas mal de combats en perspective pour 2022. Avant, fin de corps, percute derrière. Non, mais là, ah, il est comme Mathieu, lui, c'est une brute. Non, mais tu l'as pas envoyé. Putain, là, voilà. Et après, on envoie le coude. Ok, alors le coude, on l'envoie en, comme vous voulez. Mais là, c'est jab, longue distance, là, moyenne distance, et là, le coude. Ok, voilà, ok. Allez, c'est parti, on va. Oui, Bah écoute, je me suis déplacé pour tourner avec les gars un peu en MMA. Donc je suis arrivé hier soir, jeudi soir, j'étais tourné chez Hatch. J'ai pu tourner avec Saladin Parnasse, Michael Leboux. Donc tout s'est bien passé, super. Aujourd'hui je suis là, on a tourné à 12h30 avec le coach Daniel Warin et Benoît Saint-Denis. Donc voilà, je suis parti de chez moi, je suis parti de Nantes et on fait un petit week-end de rencontre avec les gens que je connais pas forcément et ceux que je connais déjà. Donc voilà, c'est que du partage. Ouais, je suis m'entraîner avec les meilleurs de la capitale et puis voilà. Et puis samedi il y a un événement, bah Gann contre Ngannou forcément. Et on va tous le regarder ensemble à l'US Métro. C'est organisé, le combat sera diffusé sur un grand écran, donc c'est que du plaisir. Là, l'épaule, elle est là. Là, je récupère. Là, ton retour. Voilà. T'as vu comment on a coupé des pots. Ouais, là. C'est une fin de corps. Tu vois ? Benoît, ça va faire 3 mois que tu as combattu. Comment tu te sens ? Bah, super bien, j'ai pris beaucoup d'expérience sur ce combat. On corrige les choses qui n'ont pas été. Et on prépare la suite à 70 kg à l'UFC. Avec très bientôt des nouvelles, je pense, positives. Et en tout cas, un combat en vue, je pense, peut-être... sûrement en avril. Alors on vous confirmera ça quand on aura une date et un adversaire exact. Mais bon, ça va approcher et on s'entraîne dur pour ça. Alors le cardio, ça a pris un peu de temps parce que quand t'as le nez cassé, tu peux pas faire d'opposition, tu prends pas de risque le premier mois, voire les 6 premières semaines. Donc physiquement, j'avais déjà repris, hein, j'avais repris la prépa physique, mais effectivement le cardio et on va dire la forme de combat, je commence à la retrouver que maintenant et je commence à être à l'aise maintenant de nouveau et de nouveau à progresser parce que moi je suis jeune dans le MMA, donc j'ai encore beaucoup de choses à corriger. Voilà, 3 ans de pratique, c'est pas assez pour atteindre son meilleur niveau. Donc je continue à progresser dans tous les domaines et je m'entoure bien pour faire évoluer la carrière dans le bon sens. On se retrouve dans quelques mois à l'UFC et pour mon début de carrière en lightweight et une grosse guerre encore.
bonjour la France, Jorik, Jorik Montagnac de la team Venom. Je m'entraîne avec Daniel, avec Benoît et Mathieu. Du coup, j'ai commencé, comme vous le savez, il y a à peu près 3 ans en même temps que Benoît. Là, je viens tout juste de signer à l'Octagone, Octagone MMA. C'est là-bas qu'on va aller inscrire, qu'on va commencer à inscrire le drapeau français et que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, mon palmarès en MMA, je suis à 3-1. Dans mon petit palmarès de pro, j'ai déjà réussi à combattre dans 2 orgas majeurs. Donc je suis assez content pour ça et j'espère bientôt que les portes de l'UFC s'ouvriront. Donc mon dernier combat c'était en novembre dernier contre Pavol Langer qui était un premier test, un combattant assez expérimenté qui avait à peu près 16 combats. Au moment où moi je faisais mon 4e combat, ça s'est bien passé, on a fait une décision unanime et à l'issue de ça on m'a reproposé un combat et là pour le coup on me propose un combat avec une signature de contrat derrière et potentiellement une course vers la ceinture, je l'espère. Alors Jorik, il a commencé avec moi en même temps que Benoît, super potentiel. Hein. Jorik, pour sa catégorie, très explosif. Là actuellement il est à 3-1, mais faut savoir que son combat en Inde il s'est fait voler. Hein. Il devrait avoir 4-0. Gros potentiel, là il vient de signer en plus à l'Octagone. Donc super perspective. Encore 4 combats et même 4-5 combats. Et on essaie de le mettre à l'UFC, les Jorik. L'UFC. Bientôt. Ma satisfaction, ce sera de me prouver que je suis le meilleur. Et mes objectifs, c'est surtout régaler la galerie. Je veux régaler la galerie, je veux vraiment produire des shows. Je suis là pour que vous sautiez devant vos écrans et que vous passiez des bons moments, c'est ça. Gros combattant, et il faut savoir que Jorik, il a pris que des combattants confirmés depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois, son dernier combat, il a pris un gars qui avait 16 combats. Quoi. Là, le prochain, il prend un gars qui a au moins 25 combats. Donc voilà, quoi, c'est un jeune combattant, mais prometteur. Ouais, je suis bon vivant, la vie elle est faite pour rire et je pars du principe que tout peut être amené à la dérision. Toutes les personnes qui me connaissent savent, on peut parler, on rigole de tout avec moi. Le seul truc dans lequel je suis sérieux, c'est dans le cassage de bouche. Là par contre, quand il faut casser des bouches, il faut être sérieux les gars, c'est important. On me retrouve le mois prochain, le 26 février, à l'Octagone contre un adversaire assez expérimenté. 22 combats, ce sera mon 5e combat. Du coup, on se retrouve là-bas le 26, prêt à faire la guerre. Ce sera à Prague. Prague, c'est très facile. Vous prenez votre petit billet, aller-retour, 135-150 euros maximum. Et vous venez crier la France et Team Fire. Merci, Jorik. Au plaisir. Pousse.